femme Zara, trop belle. Tu montres comme t'es belle. Très jolie. Wow. Alors, et là, vous voulez mettre une robe encore ce matin. C'est Madame Robe en ce moment. Tu danses? Wow. Salut à tous! Allez, c'est parti. Il est 9h30, 10h, je pense. Et là, a été encore très difficile. Il est 10h ce matin. Mes parents voulaient l'emmener à la plage parce qu'il fait très beau pour jouer. Elle a fait un scandale, elle voulait rester avec moi, elle voulait. J'ai du travail, donc forcément j'ai dû lui expliquer à une nouvelle reprise que je suis une maman qui travaille comme beaucoup de mamans et comme papa d'ailleurs qui est parti au travail et que je veux pas rester avec elle toute la journée. Je dois travailler quoi, et puis mes parents sont là pour s'occuper d'elle. Enfin, là en ce moment elle est vraiment en période de crise totale. Je sais pas si c'est parce que mes parents sont là. Et que du coup, je sais pas, elle s'est inventé je sais pas, un problème. Mais elle ne. Franchement, elle est vraiment difficile, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc bon, là, on a réussi à la faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Irlande. On a réussi à la faire partir, mais franchement, c'était compliqué. Donc là, moi, ce que j'ai à faire ce matin, je dois descendre à Ajaccio pour chercher les impressions de la nouvelle collection. Oui, elle sort dimanche, donc il faut que je récupère toutes les impressions. Vu que j'ai validé les BAT, ils ont fait les impressions hier. Je vais les chercher. Je dois aller acheter des cadres, plusieurs cadres pour la boutique. Je dois passer à ma boîte postale. Je trouve pas les clés de la voiture, ça va être un peu dommage si j'ai pas les clés de la voiture. Je dois passer à ma boîte postale, ensuite je vais peut-être passer à H&M et Mango parce que je voudrais m'acheter une veste de mi-saison parce que là j'ai que celle-là et mes vestes en jean, ce qui est déjà bien, mais le problème c'est que je porte tout le temps du jean en bas, enfin je mets beaucoup beaucoup de jean et du coup je suis pas fan du total look jean, donc je mets pas de veste en jean avec mon jean, vous me suivez, du coup je mets que celle-là et c'est chiant. Là, il fait très beau, ça y est, c'est mi-saison. J'en ai besoin pour tous mes déplacements. Bref, j'ai acheté beaucoup de choses en ligne ces derniers jours parce que j'ai beaucoup de déplacements et de voyages prévus là jusqu'à cet été. Donc, du coup, je voulais des belles tenues et tout et j'ai pas de veste. Bon, les impressions sont récupérées. Je suis trop contente. Et je suis passée à Leroy Merlin acheter des cadres, pas mal de cadres. De toute façon, j'en avais besoin pour la boutique, clairement. Donc là maintenant, je sais pas si je vais aller jusqu'à ma boîte postale parce que c'est trop loin. Je pense que je vais passer vite fait à l'Atrium pour acheter des choses pour dimanche, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, il faut que je les achète et que je les mette ailleurs. Voilà. Et voilà, du coup j'y vais, c'est reparti. Pour l'instant, je suis dans les temps. Bon, je suis de retour à la maison. Je vais monter dans l'appart parce que mes parents sont rentrés apparemment avec Ella. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai trouvé 2-3 trucs à H&M. Mais je vais vous faire un haul. Peut-être pas un haul, je pense que je vais vous faire un lookbook. Il faut qu'on tourne ça avec Nico parce que j'ai acheté beaucoup, beaucoup de choses dernièrement. Et comme ça, enfin, c'est des super tenues printanières et tout. Je vais vous montrer ça en vidéo, je pense. Il est où ce bébé? You know I love you, baby, more every day. You are my sweetheart, baby, in every way. Et là, elle s'est réveillée de 8 heures de sieste. Non, je rigole, elle a dormi au moins 3 heures. Et là, je crois que Popo, il t'a pris un petit cadeau, tu veux le voir? Avec des fleurs. Non, il n'y a pas de fleurs, mais c'est encore mieux que ça. Je suis ravie. Ça va te plaire. Je suis allée, je me suis rentrée, je me suis douchée. Regarde. Viens, Popo, viens. Popo, il va te donner. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, un canin, un cadeau. T'as trop de cadeaux, t'es trop gâtée.
Ouais, fallait éviter ces livres. C'est quoi, Mila? Merci. Ok, d'accord. J'ai pas vu. Waouh, comme je suis ravie. Magnifique. Génial. On s'arrêtera aux chaussons, hein. Merci, c'est gentil, mais voilà. T'es contente? C'est les chaussons de la Reine des Neiges. Oui, il n'y en a pas d'autres. Hein. Tu veux les mettre, Ella? Oui, je veux les mettre. Oh, waouh. Il y a pas assez. Pourquoi il y a beaucoup de cadeaux? Oh, je sais pas pourquoi tu as beaucoup de cadeaux, parce qu'en plus, c'est pas trop une enfant qui mérite là en ce moment. Non. Mais, et pourquoi tu voulais pas des chaussures de la Reine des Neiges? Non, moi, enfin... C'est des chaussons, chérie. Hein. Voilà, ça se garde à la maison, on sortira jamais avec ça. D'accord ? Maman, on veut les mettre. Allez, je vais te les mettre. Bon, c'est très drôle cette histoire. C'est la deuxième fois que ça me fait ça. 18h30, l'heure à laquelle mon vlog doit être en ligne. Il restait 3 heures de chargement avant qu'ils soient en ligne. Donc j'ai dit, laisse tomber. J'ai pris ma voiture et je suis descendue à Ajaccio pour mettre mon portable en partage de connexion et capter la 4G, parce que chez moi je ne capte pas la 4G. Voilà, les bonheurs de vivre perdu dans la campagne. Et la dernière fois, je disais, c'est très marrant parce que la dernière fois que j'ai dû faire ça, c'était pour le vlog de mon mariage. Et là, c'est pour le vlog de la demande en mariage d'une abonnée. Donc les mariages, apparemment... pas de connexion. Voilà, donc là du coup je suis contente parce que le temps vient de descendre de moitié. Là il reste plus qu'une heure d'exportation, mais le temps est en train de s'accélérer, donc je vais pas attendre une heure ici. Je pense qu'en 20 minutes il sera exporté. Donc voilà, temps de remplir la barre d'infos, tout ça. Et puis voilà, j'ai quand même roulé 20 minutes hein, avant de capter de la 4G, donc la vie est belle quoi. Je suis garée sur le bord de la route, nickel. Bon, et là, elle vient de me dire, je vais garder mes chaussons pour faire dodo. C'est de pire en pire, je vous dis pas, franchement. Personne n'est de mon côté dans cette famille. Ouh. Papa est au foot ce soir, donc du coup, on va manger. Avec Vincent et Sacco. Non, je crois qu'il est avec ses collègues de travail. Et c'est quoi ses collègues? Ses collègues, c'est les gens qui travaillent avec lui. Et donc, nous, on s'est fait un petit steak végétal avec des haricots verts. T'as tout ton tissu de la Reine des Neiges? J'ai tout de la Reine des Neiges. Ah, ta robe et les chaussons, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ah, de la Reine des Neiges. Je suis la Reine des Neiges. Je suis la Reine. La Reine. Comment elle chante, la Reine des Neiges? Aussi, tu sais. Perdue dans l'hiver. Maman, tu mets la chanson. Je voulais que je te mette la chanson en anglais, tu m'as demandé tout à l'heure. Je veux la chanson en français maintenant. Bon, on va la mettre une dernière fois avant de faire dodo. Hein. Pourquoi? Parce que c'est bon, quoi. Hein. Comme ça, histoire d'avoir bien... Comme ça, ça fera le grand monde de la balade. Il n'est pas vu le manche de... Il n'est pas vu et de la... Et de rambana de neige géant. Le bonhomme de neige géant? Oui. On le met en français. Allez, on met en français. Non, non, mais je mets juste la même chanson sur le téléphone. Je mets pas le film, chérie. Oui. Oh. Oui. Je vais regarder. Mais en fond, je voudrais un bonhomme de neige. Ah, tu veux la chanson Je voudrais un bonhomme de neige? Ça va avoir délivré. Ah oui, tu les veux dans l'ordre. D'accord. Bon, on écoute les deux et après, on va au dodo. Hein. De neige, un bonhomme de neige, on le met à moi. Salut Zelda. Mais le livre. T'as changé. Oui, on marche. Tous les pouvoirs n'en parlent pas. Fais attention, le secret survivra.
Nico est de retour et il est en train de regarder le vlog d'hier, ce qu'il a pas vu, avec la demande en mariage. Et moi, j'ai une nouvelle illustration de chaîne. Gaël m'a fait une nouvelle illustration. Hop. Regardez. Tu vois pourquoi elle est ralentie. Bon. Il est 23h, j'aurais pas du tout dû passer toute la soirée sur l'ordi, mais j'ai passé la soirée sur l'ordi. Voilà. Le truc où tu commences à faire un truc, puis t'en fais un autre, puis un autre, puis un autre, et puis tu ne t'arrêtes plus. Et puis tu lèves la tête, il est 23h, et t'as les yeux explosés. Oh. Mal aux yeux. J'organise ma journée de demain parce que j'ai pas mal de commandes à envoyer, de trucs à faire. J'ai 2 vidéos à tourner. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. C'est le dernier jour de mes parents. Bon. Ça va parce que nous on part chez mes parents dans 3 semaines. Donc ça va. C'est pas grave si je passe pas tout mon temps avec eux parce que je vais chez eux dans 3 semaines. Quoi. C'est pas comme si j'allais pas les voir pendant 3 mois. Mais bon quand même, j'aimerais bien passer un peu de temps avec eux parce que bon ils savent hein, que quand ils viennent, moi je travaille, hein, je suis pas en vacances, donc j'essaie quand même de passer du temps avec eux, mais c'est difficile de. Je peux pas me libérer des journées entières parce que. Bah, quand on a un travail comme le nôtre, on est toujours sollicité en fait. On reçoit des mails toute la journée, il faut répondre, et puis des fois il y a des choses à faire dans la journée, et puis on doit renvoyer ça, et puis enfin voilà, il y a toujours des trucs à faire. Donc voilà. Je vais me démaquiller, je vais aller me mettre au lit. Je sais pas si je vous ai filmé beaucoup de choses aujourd'hui. En tout cas, bah, j'avance sur le lancement de la nouvelle collection, donc c'est pour ça que j'ai pas mal de boulot. Et je vais avoir pas mal de boulot là jusqu'à dimanche de toute façon. Et surtout la semaine prochaine, enfin une fois que c'est lancé, voilà, c'est toujours le même truc. Hein, voilà, on lance, on emballe, on envoie, on emballe, on envoie, on emballe, on envoie. Voilà. Donc ça va être cool, j'ai hâte, mais je sais que là ça va être. En fait, ça va être 2 mois là qui arrivent à fond quoi. Parce que je vais. Dans 3 semaines, je. Part de la maison et je ne rentre pas pendant 1 mois pratiquement. Enfin, je rentre, je repars, je rentre, je repars. Donc je sais que là, ça va être assez intense. Mais c'est moi qui l'ai voulu. Donc je vais pas me plaindre. Je vais me coucher. Voilà. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.